Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui le long de cette rivière après 2 mois de confinement. Je vous cache pas que ça fait plaisir enfin de tendre les lignes. Je pense comme beaucoup de personnes on attendait ça. Donc cette rivière je la connais, j'ai déjà pratiqué dans le passé, donc en 2019. Il y a des vidéos justement sur cette rivière, sur ma chaîne YouTube. Donc je pêchais beaucoup plus haut d'habitude. Ici c'est la première fois que je pêche aussi bas dans la rivière. Ça me semblait prometteur pour une pêche rapide. Au vu des conditions météo, donc on a eu pas mal de pluie et d'orage cette semaine. Pour cette pêche, donc j'ai visé les extrêmes bordures d'en face, c'est des bordures vierges où il n'y a pas d'activité humaine sur la berge, donc du coup ça me paraît bien prometteur pour une pêche rapide. Donc, je suis parti sur des appâts à base de graines, donc la Nutibé de chez GH Bait, et avec j'ai rajouté un peu de stick mix et énormément de maïs pour attirer un maximum de poissons, du blanc et tout type de poissons qu'on peut y trouver. Afin que le poste devienne productif le plus rapide possible et au moins toucher un poisson dans la journée, c'est vraiment le but. On est sur une pêche de journée. Suite au déconfinement et à l'arrêt préfectoral donc du Var, les accès aux étangs et aux lacs est interdit. Donc on se retrouve sur cette rivière à pas mal de pêcheurs. Donc ça sera une pêche de journée pour laisser la place un peu à tout le monde. L'objectif est vraiment de tirer un poisson et après on essaiera de faire un maximum, de trouver la pêche. Pour le moment ça fait 2 petites heures qu'on pêche, on n'a encore rien touché, pas un départ, j'ai pas vu d'activité à la surface. Mais je reste confiant, je connais un peu cette rivière, je connais un peu les horaires à laquelle ça peut mordre. Donc on va persister jusqu'à un petit 16h, 17h et puis on verra bien ce que ça donne pour aujourd'hui. Bon, en tout cas merci pour vos abonnements, continuez à vous abonner, il y aura encore pas mal de vidéos qui vont sortir. Une série de vidéos sur les pêches rapides, vous savez très bien que les pêches rapides c'est vraiment mon domaine. Entre le travail et ma vie personnelle, il ne reste que les pêches rapides. La première sortira la semaine prochaine. Et puis ça, c'est une série qui va continuer pendant un bon moment sur les pêches rapides. Comment optimiser son poste rapidement et trouver un poste qui pourrait permettre de toucher un poisson en 3-4 heures par exemple, après le boulot, ça peut être sympa. Donc voilà, en tout cas pour aujourd'hui ça pêche, c'est tendu. Le soleil est présent, ça fait plaisir. Regardez, je suis déjà en short, il est 9h du matin. Donc c'est parti et j'espère vous retrouver après avec une carpe dans les mains. Allez, parti! Thank you.
enfin, le premier. Une carpe, le réconfort. Bon voilà, donc milieu de journée, donc il est midi, midi 30, un départ en fin de matinée. Donc tout simplement, je l'ai touché à la berge d'en face, hein, comme c'était prévisible. Après les pluies ici, il y a énormément de choses qui tombent dans l'eau, également de la nourriture des berges, hein, donc c'est pour ça que l'eau aussi, aussi trouble aussi. Donc au niveau des montages, je vais utiliser simplement un bas de ligne très simple mais costaud. C'est comme ça que je pêche en rivière. Simple mais costaud. Donc la tresse gainée. Donc je vais juste dégainer la partie haute pour pouvoir la fixer sur un demi-rayon. Dégainer la partie basse au niveau de l'hameçon pour pouvoir garder une souplesse quand même au niveau de l'hameçon. Et pour le ferrage, pour toujours garder cette agressivité, je garde ce petit aligneur. C'est vraiment top pour l'agressivité puis optimiser les ferrages. Donc ça me permet de ramener pour l'instant une carpe, mais j'espère en faire quand même une deuxième avant la fin de journée. Donc je vais relancer au même endroit. Donc sur une bouillette d'à peu près 16 mm nitibé. Donc c'est une bouillette à base de graines. En rivière j'utilise énormément ce genre d'appât. Et avec lequel je vais venir mettre du stick mix. J'ai toujours du tibet de chez GH Bait et énormément de maïs pour appâter un maximum de poissons. Donc j'utilise également des plombs de chez l'univers du plomb. Voilà, donc ils font vraiment plus vrai que nature. Hein. Je vous ai déjà montré ça sur les vidéos précédentes. La discrétion, hein, pêche rapide, en rivière, discrétion. Ici j'utilise ça ou des galets ou sinon des grippes. Parce que là bon, aujourd'hui il n'y a pas de courant donc je me permets d'utiliser ça. Mais s'il y a du courant, j'utiliserai le même revêtement mais sur du grip. Là aujourd'hui ça va, c'est vraiment calme. Il n'y a pas de vent, le soleil est présent, on a du 25 degrés, donc c'est vraiment top. Les conditions sont bien. J'ai également mis une troisième canne car depuis ce midi, il y a deux pêcheurs qui sont venus. Donc un peu plus bas, un peu plus haut, donc bateau amorceur, tout ce qui va bien. Donc la pression de pêche a augmenté. Il va falloir être encore plus rusé pour sortir une carpe supplémentaire. Donc j'ai mis une canne là à 4 mètres sous un arbre avec un petit tapis de maïs et de bouillettes broyées. J'attends ce que ça donne mais je la surveille de près parce que si ça part celle-là, elle va vite se tanker. Donc c'est le risque des pêches extrêmes et également des pêches rapides. Hein. On cherche le poisson là où il est donc le but c'est d'aller vraiment le plus proche quitte à risquer casser une ligne. Mais bon tant pis, c'est le jeu, on va être décroché. Donc c'est le jeu, on continue, je lâche rien, une carpe, je reste vachement optimiste. Je pense en toucher, j'espère toucher une deuxième carpe avant la fin de journée. En tout cas, ma femme a touché sa première carpe physiquement, elle l'a portée, donc voilà la petite photo qui apparaît sur l'écran. Donc c'était sympa, elle a kiffé. Je pense que cette année ou l'année prochaine, elle va s'acheter ses propres cannes, on verra bien. Donc voilà, donc pour la... Tu vas avoir de la concurrence. Hein. Voilà, de la concurrence, comme elle dit. Donc voilà, bilan de la matinée, donc un départ, une carpe. Je vais garder la même stratégie pour cet après-midi.
De toute manière, j'ai amorcé. Là, je lance énormément de maïs. Toutes les demi-heures, je vais lancer une petite poignée de maïs. Mais vraiment général, pour vraiment appâter un maximum de poissons. Le bateau amorceur, c'est bien, mais bon, là, en rivière, je suis pas fan. Donc voilà pour comment je pense procéder pour cet après-midi. Et on reste optimiste pour un deuxième poisson, et peut-être plus, on verra bien. On reste jusqu'à 17h environ. Donc je vais faire une petite sieste, attendre la prochaine carpe, et j'espère vous montrer un deuxième beau poisson de cette rivière. Allez, ça continue! Bonne journée, donc je m'en sors avec deux carpes dans un endroit où cette rivière elle connaît une pression de pêche cette semaine vachement élevée, contrairement à d'habitude. L'arrêté préfectoral empêche la pêche en étang, en gravière et en lac. Donc du coup beaucoup de personnes viennent dans cette rivière. D'habitude il n'y a pas grand monde, voire personne. Donc la pression de pêche était vachement élevée. C'était dur de tirer sur l'épingle du jeu. J'ai dû ruser un petit peu plus, mettre des cannes là où je ne vais pas d'habitude, c'est-à-dire sous des branches, carrément sous un arbre, à 4 mètres de moi. Habituellement, je vais chercher quand même un peu plus loin, un peu plus compliqué, histoire de chercher du poisson un peu plus hors du commun. Donc là, cette fois-ci, l'objectif premier était surtout de sortir du poisson. C'est fait, deux poissons. Les amis carpistes à ma droite et à ma gauche ont tiré un seul poisson apparemment. Donc je suis assez satisfait de cette journée. Donc l'amorçage m'a vachement aidé, donc contrairement aux amis carpistes de part et d'autre, j'avais pas de bateau amorceur. J'ai préféré pêcher au stick et un amorçage vaste de graines et de bouillettes broyées, donc voilà, histoire de rendre bien attractif toute ma zone.
et de pouvoir mettre un stick au niveau de mon appât, c'était je pense judicieux. Donc deux carpes, bonne journée, j'ai pris les couleurs, ma femme a fait de très belles images, on a eu le temps de regarder ça sur la caméra tout à l'heure, la vidéo sera vraiment pas mal. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, abonnez-vous. Et abonnez-vous, c'est super sympa, ça a l'air très encourageant. Moi, je prends vraiment du plaisir à faire ces images. Donc voilà pour aujourd'hui, et en espérant qu'il y aura moins de personnes dans les rivières, qu'on pourra regagner les étangs et les lacs d'ici 15 jours, ça serait le top du top. Et surtout, garder la pêche.